Ascribe meaning to Namza, meaning to no, son brought a pago vos. Drivienna saiva. Et salut à tous, c'est Juju, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 3 avec les défenseurs prussiens. Et aujourd'hui, on va partir envahir le royaume Valak. Il restera une province ici, une province là. Ceci, ça fait partie des Moldaves, ça fait partie des Hongrois. Et puis il y aura toute cette région-ci à venir libérer pour s'assurer la prospérité de notre empire. Ok, apparemment on peut le faire qu'une fois. Oui, je sais que j'ai déclaré la guerre, merci de fermer cette fenêtre. Vous pouvez appeler des alliés. Lui je ne peux pas. Et lui, il ne voudra pas. Bah, ce sera très bien, ça. Hop. Pourquoi tu ne veux pas? Ah, mais je peux pas parce qu'il est membre et s'il ne veut pas. Et si je t'envoie un cadeau? Voilà, il veut bien. Merci. Et on va pas faire la même erreur que la fois passée. On va attendre un peu en arrière qu'ils arrivent. Ils sont censés avoir combien de troupes? Ouais, ils sont en train de remonter leurs troupes ici. Servir la couronne ou chef robuste? Est-ce que je pourrais prendre des mercenaires? 800 troupes de mercenaires, c'est pas énorme. Hein. Et le reste est très cher. Toi, tu vas venir ici. Alors. Toi, tu vas venir là. Toi, tu vas venir ici. Là. On ne prend qu'une province à la fois. On verra ce que font nos alliés. Enfin, notre... Si, si, nos alliés. Il y en a un qui doit venir de ce coin-ci. 2000 troupes, et il y en a un qui doit venir de ce coin... Là, je pense. C'est pas Holstein qui vient? Non. Qui est en guerre avec nous? C'est Veps. Sérieusement. Il a combien d'armées? 800 troupes. Super, on va pas aller loin avec. Mais chaque troupe est utile. Ouais, il a 19 000 troupes. C'est pour ça que je vais pas avancer trop. Je veux pas tout avancer, en fait. Déjà parce que j'ai pas plusieurs armées avec des onagres. Là, j'ai 50 onagres. Voilà, ils arrivent. Est-ce qu'ils me foncent dessus? Ouais, ils vont me foncer dessus. Allez. Et ceux-là, ils font quoi? On est mort? Ouais, on est fichu. On s'est fait repousser une première fois. C'est pas grave, c'est pas grave. On va se plier là-bas. Et on reviendra. Ils sont 15 000, donc en reprenant un peu notre... Putain, mais si les alliés, par contre, sont des gros cons, on va pas aller loin. Oui, on a eu une défaite, c'est pas grave. Et on a ceux-là, oui, bah qui pète à un moment. On va se revenir. Ouais, bien sûr, ils vont se faire redéfoncer la gueule, même pas. Viens ici. On va revenir là-bas. Là, on attend, on a 15 000. On va envoyer
3000. Je crois qu'ils sont motivés. Ou pas. Ils vont arriver ici, hein. S'ils foncent là-dessus, c'est mort. Par contre, je vais en profiter pour venir là. Celui-là, de toute façon, je pourrais pas le défendre. Quoi que je fasse, ils sont 15 000 contre 500. À un moment, faut pas exagérer. Par contre, ceux-ci, si je viens dessus, il y a un moyen que ce soit utile. 10% pour une armée de 500, par contre... Désolé, mais c'est un peu exagéré. Et il a pas d'autre guerre. Okay. Ici, on va refaire tomber ce château. Hein. Ah, ils vont. Est-ce qu'ils vont essayer d'envahir notre territoire? S'ils se divisent et qu'ils essaient d'envahir en partie notre territoire, je vais aller les chasser. Ah, je suis mort. Bon bah. Je continue en tant que martial. Hop, ensuite. Toi, tu peux te marier. Ouais, on va demander avec... T'as quel âge? 18 ans. Non. Si. On verra. Ça, on peut pas faire. Déclarer des guerres. Prendre une concubine. Ok, toi tu veux te... Non, toi c'est déjà en cours. Là il y a des guerres aussi. Ça concerne pas la guerre de l'Empire, mais c'est des guerres internes, donc ça va les affaiblir. Qui veut se soulever ici? Toujours les mêmes gus. Ah, c'est toi, tiens. Je vais essayer de t'influencer. Ouais, ils sont 20 000. Est-ce qu'ils nous sautent dessus ou bien est-ce qu'ils vont foncer sur celui-ci plutôt? Ils vont foncer sur celui à côté. Ouais. Dommage, ils sont pas séparés. Sinon j'aurais foncé dessus, mais je peux pas. Ils sont pas assez séparés en tout cas. Ah là. S'ils viennent chez nous, ils vont perdre du renfort. Ils sont 22 000 maintenant. Non mais c'est pas... Ok, il y en a 17 000, il y a 5 000 ici. Non, ils sont que 2 000, donc il y a un moment, il y a 3 000 qui sortent de nulle part. Ah, ils nous sautent dessus, en fait. Ils ont décidé que... Là, dans cette configuration, ça passe, mais avec les renforts, ça va être compliqué. Hein.
Allez, on se barre. C'est pas possible. Avec les... Franchement, s'il n'y avait pas eu tous les renforts, on aurait gagné. Il y a eu tous les renforts, c'était mort. Hop, on va ajouter en vitesse x5 là, parce que bon. Le repli, ça va bien 2 minutes, mais. Là, je sais que c'est risqué, il y a beaucoup de monde. Mais on est 14 000 contre 3 000, on va dire. Ouais, non. Allez, repli. Et on se replie loin. Bon, ça va permettre de faire quelques réserves, mais... Oh bah ils sont à 100, on a perdu hein. Ils sont à 100% avec toutes les victoires militaires qu'ils ont. Ils sont beaucoup trop forts dans, quand ils sont pas en guerre. Voilà, 100% défaite. Donc, je peux disperser tout. Putain, bande de lâches quoi. Entre mes vassaux qui sont vraiment des incapables, il va vraiment falloir que je change ça. Et eux. Ah mais maintenant ils sont passés à 13 000 troupes, bien évidemment. Bien évidemment, si je demande un mariage, je sais pas, hein. Elle est mariée. Voilà, impossible de trouver des mariages. Hop. Je n'ai qu'un allié, super. Ils se sont tous révoltés ici? Très bien. On va devoir les chasser petit à petit, mais... Bon bah s'il y a personne, on va prendre la capitale hein. C'est ça, allez vous battre là-bas. Ah, vous me foncez dessus. Oui, mais ça le fait pas hein. Lol. Hop, disperser tout, très bien. Normalement, toi maintenant, t'es emprisonné. Je vais donc mettre lui ici. Toi, conversion, s'il te plaît, ça va pas se faire tout seul. Toi ici, c'est quoi ça? C'est intégrer un titre. Intègre-moi la Galicie ici. 47 ans, ça va. La culture ici. Et ça, ici. Voilà. Alors, d'autres qui veulent se révolter ou pas? Ouais, et apparemment, il y en a d'autres qui veulent se révolter. C'est qui? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Ok, tu ne m'aimes pas juste pour ne pas m'aimer. La Lituanie ne m'aime pas non plus. Tiens, si je t'envoie un cadeau, ça te va? Ça t'ira mieux? Ok, on va essayer ça. Lituanie, on va essayer également d'influencer. Alors si je regarde maintenant, en prison, on a qui? On a toi. Pourquoi es-tu en prison? Depuis combien de temps es-tu en prison? Depuis 18 jours. Est-ce que je peux te rançonner? Je vais te négocier la libération. Hop. Et tu renonces à ta revendication. Toi, tu resteras. Toi, ça fait combien de temps? Toi, ça fait 6 ans que t'es en prison. Tu te convertis. Voilà. Toi, ça fait 6 ans que t'es en prison. Tu te convertis. Et toi, ça fait
6 ans que t'es en prison. Voilà. À toute vie martiale. Bon, on va continuer ici. Organisation stricte, augmenter le contrôle. Oui, ça me plaît. Renforcer, réconforter après l'entraînement. Bah non, je vais lui enseigner ce que je sais. Ça va augmenter. Moi, ça me... Il y a une chance que... Ok, il est pas content. D'accord. Il fait son caprice. Reynolga va te faire foutre. Tu resteras en prison. Ligne de succession. Même chose. C'est le même que tout à l'heure. Ok. Bah tu ne m'aimes pas. Bah t'iras mourir. Ici, on va pouvoir déclarer la guerre, je suppose, pour l'USAS. Ce que j'aimerais voir, c'est si j'ai le droit à une guerre pour envahir un royaume. Très bien, j'ai toujours droit à une guerre pour envahir un royaume. Il faudra juste que je sois un peu plus fort. Bon, là, on va commencer par l'USAS. Je pense que ce sera une très bonne chose. Je vais commencer ici. Tac, celui de la capitale, on le touche pas. Celui-ci, on va l'enlever. Celui-ci, on va l'enlever aussi. Ici, on en a pas besoin pour le moment. Celui-là, on peut le laisser. Celui-là, on va le déplacer un peu plus au nord pour nos prochaines actions. Hop. Je peux, donc je vais déclarer la guerre, envahir le duché. Tout lever ici. Tac. Nickel. Si tu veux. Je vais pas venir, hein, mais si tu veux. On va s'emparer de ça et puis on verra. Ici, combien? 5 mois. Faites le tour. Allez vous perdre en Bavière si vous voulez. Toi, je te rançonnerai jamais. Des criminels, on s'en fout. Des titres peuvent être créés, ça je garde sous la main. Déclarer des guerres, appeler mon allié. Toi tu ne m'aimes pas, ici améliorer l'opinion. Non mais j'ai déjà un truc qui améliore l'opinion. Ils sont apparus quelque part. Oui, ils sont apparus là-bas en Hongrie. Enfin en moitié de Hongrie. Ouais, pas de soucis. Faites-vous plaisir. Il n'y a pas que la Hongrie là-bas. Non, il y a un bout de Bavière hein, quand même. Est-ce que c'est la Hongrie qui a pris un bout de Bavière? Ouais, c'est la Hongrie qui a pris un bout de Bavière. Incapable de prendre un truc correct, par contre un bout de Bavière. Après, je retenterai probablement avec le roi actuel de reprendre encore une fois la Valachie, machin chouette, hein. Ça c'est qui? Attaquant. Ah, c'est la Poméranie qui attaque. Ok, elle attaque Holstein et Holstein est défendu. Holstein, ok. On va se diviser en deux. Il y en a un qu'on va envoyer sur la capitale. Et l'autre, on va l'envoyer à côté. Un sur le plus important, l'autre sur le moins important. En fait, non, il y en a un qui va chasser. Où sont-ils maintenant? Ils reviennent? Très bien. Viens ici. Tu vas les chasser. Agissez ensemble. Tac.
Nice. Très bien. Je vais prendre toutes les provinces, hein, pour éviter d'avoir le souci que j'ai de temps en temps. Ici, combien de temps? 3 mois. Si tu veux. Hop. À mon avis, ce qu'il va falloir que je fasse, ça va être de... de créer une deuxième armée, armée de nagres. Encore le comte Lambert, c'est pas la deuxième fois que je te capture et que je te libère. Si on a pour 7 mois, là on en aura pour 3 mois. 4 mois, d'accord. Je suis connu pour mon dévouement à la foi, si tu le dis. Je préférais mon dévouement ici, mais... Il va me falloir des alliés, maintenant. Victoire. Ok, donc j'ai tout obtenu. Mais fait chier, ce que je voulais pas, bah, y en a qui restent, en fait. Il y en a qui restent en poste et ils ne m'aiment pas, donc... Hop. Donc, je vais aller ici sur Mason. Je vais accorder un titre, celui-ci. Transférer des vassaux. Et voilà. Et ensuite, je suis en guerre contre une connerie là-bas, c'est très bien. Elle est où ma deuxième armée? Parce que j'en avais deux d'armée. Alors ici je peux prendre conscription préparée, maintenance de l'armée en or. Ça, ça va être très bien. Je suis pas encore plein d'honneur, mais je vais déclarer tout plein de guerre ici pour m'emparer d'un bout d'Autriche. J'ai droit à 6. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Commencez par 3, je pense. Déclarer la guerre, comptez. Déclarer la guerre, comptez. Déclarer la guerre, comptez. Déclarer la guerre, duché. Tout levé. Et un par province. Hop. Ça me fera 5 sur 6 et je pourrais fonder le duché d'Autriche et je garderai toutes les provinces. Après, ils peuvent prendre des trucs, hein. Ça, ça va pas me déranger. Est-ce que c'est toi qui a... Non. C'est eux qui l'ont quai. Contre eux, ben j'ai 100% de son territoire, non? Ah non, il a tout un long territoire. Ça va être le plus chiant à voir, je pense. Fait chier. Repli. Bah oui, repli.
Alors toi. Il m'en reste deux. Oh, il y en a qui sont... Non, juste pour voir. On verra après. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la merde. Alors... Oh, si, elle a 16 ans, ça va. Hop. Et si, il y a bien... J'ai l'impression qu'il y en... Non. Moi, ce que j'aimerais trouver, c'est la capitale de lui. Non, lui, ça va, c'est lui. Toute façon, j'ai l'objectif de guerre, j'aurais juste à les chasser après. Ouais, c'est bien ça, sa capitale. C'est mon objectif. Oh, j'ai une pneumonie. Alors ici, je peux prendre quoi? Prestige mensuel amélioré. Alors ça fait fécondité. Non, je prends le prestige mensuel amélioré. Faites ce qui est nécessaire. Je suis en bonne santé. Et juste pour voir là-bas, bah j'ai l'impression qu'il gagne, c'est une bonne nouvelle. Bah, si c'est pour lui, c'est une bonne nouvelle. Si c'est pour un de ses alliés, c'est con, mais. Prendre ça, ce sera suffisant. Au pire, j'irai défoncer leurs troupes. Mais je pense qu'en prenant ça, ce sera suffisant. Et regardez, c'est quand même un peu, tout petit peu plus beau comme frontière. Il y a celle-ci qui est améliorée. 14 000. Mais oui, mais il monte, il descend. Et au total, il y a 21 000. 21 000 troupes, hein. Enfin, 21 000. On se comprend. Beaucoup trop d'armées. Je n'ai plus de pneumonie. Non, mais j'ai quand même défoncé ses troupes, pour le pur plaisir. Voilà. Je vais enquêter moi-même, non. Hop. Voilà, maintenant je peux... Et tout ça, ça m'appartient. Ainsi, j'ai enfin un... Un travail complet. Dire, on va commencer à se déplacer vers ici. On va voir si ça se trouve, ce sera, on pourra aider, hein, qui sait. Ils veulent assujettir la Crimée. Non, la Crimée veut assujettir la steppe pontique. Ok. Et la steppe pontique, elle en dit quoi? Elle en dit pas grand-chose, apparemment. Hop, bah si on allait sur l'une terre de la steppe pontique, peut-être que ça aiderait. Et attends, 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 je l'ai pas libérée. Non, mais elle est morte. À tout, 2 secondes. Je vais me créer. Normalement, je peux créer le duché d'Autriche. Voilà. C'est
Je suis rayonnant, donc en fait je pourrais déjà repartir. Bon, on est déjà une demi-heure d'épisode, hein, mais je pourrais déjà repartir contre eux pour la même chose. Alors ici, règne sévère, progression contre les révoltes plus du siège. Ok, celui de okay. Bah je prends. Discours sur l'unité. Allez hop, sommes plus forts unis. Est-ce qu'on pourrait assassiner? Ouh, oui. Oui, on pourrait. On pourrait, et je pense qu'une fois que c'est fait... 44 ans, 11 ans, et on a converti... Ouais, ça se passe... Tiens, juste pour voir ici, on n'a pas quelqu'un de meilleur que 11. On a 16. Juste, j'ai affecté, désolé, mais 16... Ça améliore un tout petit peu le travail. Même chose, en fait, pour ici. Il ne m'aime pas. Est-ce qu'on a quelqu'un qui a mieux que 7? Ah oui, il y en a un 19, quoi. Alors oui, l'autre va pas m'aimer. On a un 19. Après, ici, non. Il faut que je l'envoie, lui, améliorer le contrôle comptable en Autriche, à Vienne. Wien, c'est Vienne, hein, je suppose. Je me permets de bien supposer. Hop, et ici on améliore la palissade, on a plus de thunes. Je vais prendre juste eux, diviser en deux. Ce qu'il en reste, je le divise en deux. Non, je vais prendre ces deux-là, je les fusionner et je les envoyer à Tana. Cela, je l'ai envoyé sur le bord de mer. Des jumeaux encore. Et après, il faudra partir en pèlerinage aussi. Je me demande... Ah oui, c'est quoi ça? Est-ce que c'est vraiment... Non, c'est l'encyclopédie. Non, moi, ce que je voulais, c'est... avoir ce qu'on avait avant. Le livre qui permet de comparer les empires, en fait. Je veux savoir si je suis le plus grand empire. Je pense pas que je sois le plus grand, je pense que eux soient plus grands que moi et que la France soit plus grande. Mais je dois être le troisième empire le plus imposant du monde. Quoique, Ghana est pas mal, hein, mais je pense que Ghana est... si, il y a beaucoup de petites provinces, en fait, ici. Hein. Mais je pense que je vais être troisième ou quatrième empire, meilleur, plus grand empire du monde. C'est ici, hein, ouais. Je te laisse le temps de partir, si tu veux. Ah. Découvert son complot, donc ça fait chuter. Bah, du coup, je vais... abandonner. Neuf mois. Non, ils ont pas tout. Ils ont pas tout parce que je pense qu'ils doivent... Ils doivent conquérir toutes les provinces. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais finir leur guerre, en fait. Et après, on se laissera. Je pense qu'on se rendra bien... On aura bien joué, hein, dans cet épisode. Même si la guerre contre les Byzantins a été... Ça a été un échec. Je pense qu'on s'est quand même... Ah ben, j'ai marqué les 100%. Hop, et je suis quoi maintenant? J'ai gagné de la gloire. Tuteur. Ma belle-sœur, voilà. Des vassaux à la Lituanie, je pourrais accorder des vassaux à la Lituanie. On va transférer alors.
Attends, juste envie de... Plus je regarde et plus c'est le bordel dans le coin. Juste pour voir, toi tu n'es pas en guerre et t'as beaucoup d'alliés maintenant, t'as de plus en plus d'alliés. Moi ce que j'aimerais c'est avoir des alliances avec déjà les Khazars. Mais il n'y a pas moyen. Les Suédois, il n'y a pas moyen. Sapmi, il y a peut-être moyen d'arranger un mariage entre elle et mon fils. Voilà, Sapmi, il y a moyen. Ici, Holstein. Holstein, ah, il est allié des... Ouais, mais il viendrait pas avec moi, je pense. Il est allié des Byzantins. Et donc, Sapmi. Je suis pas allié avec eux. Donc ça a pas fonctionné mon... Si. Non, il va falloir choisir où on va. J'ai vraiment envie de retenter. Est-ce que, si on regarde, en royaume, c'est pas grand-chose. Je pourrais tenter aussi, encore une fois, de m'attaquer à ça, pour prendre un seul. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il soit dans une grosse guerre, ou qu'il meure. Je peux plus t'assassiner, pas avant 1045. J'ai 20 000 troupes maintenant, quand même. 20 000 troupes, c'est pas rien. What? Fuck? Je dois lui déclarer la guerre, envahir le royaume. Les revendications... Putain, il a pris la moitié de mon empire. Oh putain, quel fils de chien. Je peux pas... Je vois qu'une seule possibilité, en fait, assujettir. C'est la seule possibilité que je vois pour réussir à récupérer. Il a récupéré quoi? Il a récupéré la Lituanie, en fait. Ou la Galicie-Volhynie. Ouais, sauf que la Galicie-Volhynie, elle borde ma capitale, quoi. Déclarer la guerre. Ouais, en comté de jure, non, il faut arrêter d'exagérer. Envahir le royaume. Ouais, non, il va falloir que je... Je vois qu'une seule possibilité. Soit je fais plein de guerres contre lui, qui a 4000 troupes. Comté par comté, duché par duché. Et ça va être long. On a quand même perdu la... un bon tiers de notre empire, là. On avait tout ça, quoi. Tout ce qui était ici, ça peut-être pas, mais tout... au moins tout ça. Au moins ça. Et je dirais même que ça, Pings, Kiev, tout ça, ça nous appartenait. Ça appartient, si je me gourre pas, ça... Ouais, ils ont pris des terres de Hongrie, tout ça, ils ont... Ça va être... Je vais te déclarer la guerre. Revendication de roi Budo. On va regarder qui a les plus grandes revendications. Ça peut fonctionner aussi. Parce que là aussi, ça, ils nous ont pris. En fait, ils ont hérité de la... Ouais. Comment ils en ont hérité? Pourquoi? Moi, je vois qu'assujettir. Seule chose que je vois. Ou envahir le royaume. Mais envahir le royaume, c'est nul. Emparer d'un duché... C'est très long. Et c'est quoi? C'est un empire qu'il a? Grand royaume. Ouais, bah... On verra ça au prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'oubliez pas de me dire ce que je peux faire contre lui. Est-ce que je l'assujettis? Ou alors je reprends chaque duché un par un. Et ainsi je leur disperse mieux. Ce sera à vous de me le dire. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires. Je les lirai et y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Sur ce, on se laisse. On se retrouve très bientôt pour les prochains épisodes.